On l'amène après quelques heures en prison. J'ai jamais entendu une chose pareille. Ça dépasse même l'acharnement, c'est disumain, ce n'est pas inhumain. J'espère maintenant qu'il ne fasse pas des choses inacceptables la nuit, parce que la nuit, moi, je ne pourrais pas être là. D'ailleurs, on est toujours sous pression ici, parce qu'on nous chasse en continuation. On est à côté de lui, sans une chaise, sans rien, parce qu'il n'accepte même pas ma présence ici. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de rester ici la nuit. J'espère que la nuit, il ne se passe pas des choses désagréables. Bon, il y a eu un épisode un peu bizarre. Mon mari s'est réveillé en pleine nuit avec un militaire qui était au pied de son lit. Vous comprenez, nous sommes dans un hôpital, aux urgences, aux soins intensifs. Il a même eu un moment de panique et on ne comprend pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas. La garde doit rester dehors, voilà, et pas à côté, pardon.